La déclaration présentée ce jour est le résultat d'un travail d'observation et des alertes faites par les associations, les organisations et également les groupes du CESE qui, depuis de nombreuses années, travaillent sur ce sujet-là, sur le sujet de la nécessité d'éradiquer la pauvreté. Nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de pauvres, un nombre qui s'accroît de jour en jour compte tenu de la situation de la crise sanitaire. Donc il est nécessaire d'alerter les pouvoirs publics sur ce phénomène-là et donc pour cela nous avons construit une déclaration au niveau des mesures, deux types de mesures. Des mesures d'urgence, telles notamment sur le logement ou sur la santé, et des mesures plus structurelles sur le long terme, en particulier pour en ce qui concerne les ressources, le revenu minimum social garanti et, je dirais même, une loi de programmation pour la lutte contre la pauvreté à l'horizon 2030. Ce n'est pas qu'un devoir, mais c'est une nécessité pour notre pacte républicain et pour chacun et chacune d'entre nous.